Alors, le Crédit Agricole a véritablement décidé, il y a maintenant 3 ans, de créer ce concours des startups, parce qu'on est convaincu au Crédit Agricole que les startups seront le relais du développement économique de demain sur la région Midi-Pyrénées. Avec cette conviction, on a souhaité être le facilitateur du développement économique de ces jeunes entreprises qui, sur la place toulousaine, sont la deuxième place française après Paris du développement de ces startups. Au-delà du rôle qu'on joue avec le village de l'innovation, qui est je dirais, la mise en relation d'entreprises avec ces startups, on a en effet créé la banque de l'innovation avec des conseillers spécialisés qui sont logés dans ce village et qui sont spécialisés dans le financement de ces startups. Et aujourd'hui, on a créé la banque de l'innovation qui accueille toutes les startups, qu'elles soient du village ou pas, sur la ville de Toulouse. On a eu plus de startups qui ont concouru, mais au final, dans la dernière ligne droite, on a eu 8 startups qui ont été présentées. Et parmi ces startups, nous avons eu vraiment une grande diversité, une grande créativité dans les différentes initiatives, ce qui prouve vraiment la richesse de ce territoire. Donc, à Sunbird, on conçoit les premiers drones à énergie solaire capables de voler toute la journée. C'est un drone standard, ça va voler 1 heure, donc c'est vraiment parfait quand on veut survoler de petites surfaces. Mais quand il y a des milliers d'hectares, par exemple en Afrique centrale, où il y a des milliers d'hectares de forêt, il y a un gros besoin d'autonomie. Et nous, grâce à l'utilisation de l'énergie solaire, on est capable de multiplier notre endurance par 10 pour pouvoir surveiller et protéger ces espaces qui ont tant de valeur sur le plan environnemental. Donc on a deux activités, une activité de prestation de service où on se déplace avec notre matériel professionnel et on vient filmer les événements. L'autre partie, c'est une application qui nous permet très rapidement de faire ce qu'on fait en propre avec nos équipes télé via notre application et donc un téléphone. Donc cette application est destinée au club de sport, c'est-à-dire qu'on va venir diffuser le match, la rencontre sportive grâce au smartphone en y incrustant les informations utiles aux téléspectateurs, donc le temps, la couleur des équipes, le score, mais aussi une campagne marketing. Donc, le club va pouvoir non seulement monétiser son événement grâce à cette application, mais aussi étendre sa communauté.